Du 1er au 7 février dernier se tenait la Semaine nationale de prévention aux troubles alimentaires sous la thématique « Personne ne devrait se parler ainsi ». C'est une semaine, en fait, pour crier haut et fort aux personnes qui sont aux prises avec un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul, on reconnaît votre problématique, on reconnaît ce que vous vivez, puis on en parle. Quand les personnes en entendent parler, ils se disent « Ah, mais finalement, ça peut être ça qui va être le déclencheur pour aller chercher de l'aide parce qu'ils vont se sentir « Je ne suis pas seule, ils en font une semaine au complet, puis on entend parler, puis on en parle dans les médias. » Puis aussi pour les personnes, les proches, il y a beaucoup d'informations qui sont sur les réseaux sociaux, sur les lignes aussi, sur nos sites web. Donc, une personne qui se sent impuissante parce qu'elle a un proche qui souffre d'un trouble alimentaire ou un ami, une amie, peuvent aller chercher l'information nécessaire pour être mieux outillée pour aller aider cette personne-là. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Dans le fond, c'est une semaine de soutien, de partage. Ça aide à briser les préjugés également et vraiment à augmenter la sensibilisation face aux troubles alimentaires. C'est pour ça qu'on doit la tenir encore. Puis, en voyant toutes les demandes d'aide qui sont en augmentation, on a encore plus besoin de tenir cette semaine-là. Il existe plusieurs troubles alimentaires, dont la boulimie et l'anorexie, mais tous ont un point en commun. Ils pourrissent notre relation avec la nourriture. Je dirais qu'un trouble alimentaire, c'est notre relation malsaine avec la nourriture puis avec notre corps, alors que la nourriture, c'est ce que vous êtes synonyme de se nourrir et de plaisir. Ça revêt un caractère obsessif. Que ça soit, il y a des gens qui vont s'entraîner de façon obsessive parce que si je veux manger telle chose ou j'ai mangé tant, je dois passer tant de temps au gym ou tant de temps à faire du sport. Puis là, ça devient, quand on dit que ça devient envahissant et obsessif, c'est pour, si je prends l'exemple de s'entraîner. Je peux pas sortir ce soir-là avec des amis parce que je vais manquer mon entraînement. Là, ça devient que ça prend le dessus. Mais ça peut aussi, bon, dans quelqu'un qui souffre exemple d'anorexie, ça va être de tout le temps, tous les aliments, c'est quasiment comme un danger, là. Cette obsession-là nous suit absolument toute la journée à un point où on peut devenir jusqu'à incapable de fonctionner. Bien qu'il soit difficile de déterminer avec certitude ce qui cause les troubles alimentaires, on sait qu'ils peuvent créer des problèmes de santé physique, mais également de santé mentale. Dans les pires cas, mais là, on a vraiment une atteinte à notre santé physique. Mais même dans des cas plus légers, ce qui est dommage, c'est aussi que c'est la place, c'est des problèmes de santé mentale. Et je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Puis on ne peut pas réaliser la souffrance mentale que ça cause aux personnes qui sont prises avec un trouble alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Puis je pense que c'est important d'aller se renseigner parce que c'est très complexe, beaucoup plus que juste « on sait bien, elle veut perdre du poids ». Tu sais, ça fait partie des préjugés, je pense, qu'on a avec les troubles alimentaires. Ce n'est pas une question de perte de poids. Il y a d'ailleurs de nombreux préjugés à déconstruire. Quelqu'un, exemple, qui est pris avec, qui n'affiche pas une maigreur importante, ben, il n'est pas vraiment malade. Ça choque énormément quand on est impliqué dans un organisme de trouble alimentaire, mais ça choque les gens aussi qui souffrent d'un trouble alimentaire parce que c'est très, très faux. Le trouble alimentaire peut être excessivement souffrant sans qu'on affiche une masse pondérale basse. On n'a pas besoin d'être maigre pour être très souffrant d'un trouble alimentaire. Même que si on regarde dans l'anorexie, souvent c'est quand la personne a une reprise de poids ou elle va être en processus d'essayer d'aller mieux physiquement que sa détresse mentale va être au plus élevé. Puis là, son entourage, parce qu'elle n'est plus dans un état de maigreur inquiétant, vont arrêter de s'inquiéter pour la personne, alors que dans sa tête, le trouble alimentaire peut prendre toute la place. Ou même une personne qui est boulimique, qui va se faire beaucoup de violence à son corps, il va avoir beaucoup de souffrance dans sa tête, mais elle ne sera pas maigre, donc elle n'est pas vraiment malade. Alors, il faut arrêter d'associer l'image corporelle X que tu dois avoir pour être considéré malade avec un trouble alimentaire, ça n'a rien à voir. Un autre préjugé important, c'est que c'est les femmes, surtout, qui souffrent d'un trouble alimentaire. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent d'un trouble alimentaire. Ils vont avoir encore peut-être plus de difficultés d'en parler, d'aller chercher de l'aide parce que c'est vu qu'ils souffrent d'une maladie qui est associée aux femmes, alors que c'est faux. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des ressources pour aider les personnes vivant avec des troubles alimentaires ainsi que leurs proches. On n'a pas besoin de comprendre toute la problématique. On a juste besoin, premièrement, de dire « je ne vais pas bien » et pour la personne qui reçoit le message, de dire « je ne comprends peut-être pas tout ce que tu vis, mais
je vois que tu vas pas bien, puis je vais t'accompagner là-dedans. Et d'aller chercher de l'aide. Puis c'est là que des services comme ANEB ou bien notre partenaire dans la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires, la maison éclaircie, existe. Parce que là, quand on parle à des gens dans ces organismes-là, ces personnes-là comprennent notre problématique. Là, on peut se sentir plus compris.